Chapitre 18 à partir du premier verset. Matthieu chapitre 18 à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En tête, le plus grand dans le royaume des cieux, les scandales. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand dans le royaume des cieux. Un jour, Jésus disait, il a dit à ses disciples, il dit, depuis de tous ceux qui sont nés des femmes, de tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Donc, depuis que tous les hommes, en fait, les hommes naissant des femmes. Parce que c'est comme s'il y a certains hommes qui ne naissent pas des femmes. Par exemple, Adam. Alléluia. Amen. Par exemple, Adam. Est-ce qu'Adam était né d'une femme? Non. Il n'est pas né d'une femme. De tous les hommes naissant d'une femme, tout ce que vous connaissez comme catégorie de ces hommes-là, il n'y a point paru de plus grand parmi eux. Parce que parmi eux inclut aussi Jean-Baptiste. Mais lui, il est aussi né des femmes, d'une femme. Mais seulement de tous ces hommes-là, naissant d'une femme, le Kolayo Nangai, peut-être. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. De tous ces gens-là, le plus grand était Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. De l'été le plus grand. Cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je me dis que c'est comme si tous ceux qui naissent des femmes, ils ne peuvent jamais entrer dans le royaume. Ils sont de l'autre côté. C'est-à-dire, vous naissez des femmes, vous êtes peut-être dans un autre royaume, dans un autre cieux. Mais maintenant, dans les cieux ici, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, même le plus petit là-bas, il est plus grand que celui qui est grand de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui est dans le royaume. Donc, ceux qui naissent des femmes, en tout cas, si tu es né d'une femme, au côté de ton ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui naissent d'une femme et n'ont que chair, ils ne sont que chair. Leur vie, c'est comme d'une vapeur qui s'élève et qui disparaît. Et Job avait dit, n'est-ce pas? Il a dit, maudit le jour où j'étais né, ou le jour où la nuit m'avait enfanté. Donc c'est comme si la femme là, toutes les fois la femme quand elle enfante, c'est toujours là, dans la nuit. C'est pour cela que tous ceux qui sont nés des femmes, c'est tous ceux-là. Donc quand ils étaient nés, ils étaient tous nés dans la nuit. Tous sont des œuvres, les produits de la nuit. C'est pour cela, même si tu sois grand n'importe comment, dans cette naissance-là,
Même si tu excelles dans cette naissance-là, tu ne sauras jamais te comparer, même au plus petit, dans les cieux. La faute, c'est quoi? Parce que tu es né d'une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La preuve en est que Christ n'est-il pas né d'une femme? Christ n'est-il pas né d'une femme? C'est pour cela qu'il a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien entre toi et moi. Moi qui? Christ. Mais seulement, il est né d'un homme. Ou, non, il est né de Dieu. Il est fils de Dieu, point barre. Pas d'une femme. Christ, alléluia. Mais quand il vient et qu'il devrait naître, il fallait que la femme puisse maintenant enfanter. C'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Jésus. Jésus est plus petit aussi que le plus petit dans le royaume. Donc Jésus est dans la lignée de Jean. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que quand Jésus est né, on a dit qu'il avait un corps semblable à celui du péché. Parce que c'est évident. Étant l'enfant engendré par une femme, donc devrait déjà revêtir la nature de la femme. C'est-à-dire d'office le péché. Tu ne vas pas y échapper. Mais le plus petit dans le royaume, n'est-ce pas, est plus grand. Parce que ceux qui sont dans le royaume ne sont pas nés d'une femme. Parce que pour y entrer, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant ici, s'élève une discussion entre les disciples. Qui est le plus grand? C'est-à-dire, nous sommes dans le royaume, même le plus petit, à l'équipe d'Abaoui. Mais malgré ça, tous les entrebis sont dans la Katia Bokonziango. Dans le royaume aussi. Mais le plus grand parmi nous, c'est qui? Voilà la discussion. Dans le royaume. Depuis le temps de Jean-Baptiste, la porte du royaume est faux. Et ce sont les violents qui sont. Alléluia. Amen. Bah, violent. Mais dans les royaumes, même si nous y entrons tous, tchanga tchanga, n'est-ce pas? Même si nous y entrons tous, bosangani, mais nous devons savoir qu'il y a des différences. Il y a des grands, il y a aussi des petits. Dans les royaumes. Alléluia. Amen. Maintenant, continuez la lecture. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Les disciples s'approchèrent de Jésus. Et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Parce que ça les tourmentait. C'était une question qui les dérangeait. Pierre, Jean, tout ça, nous sommes là, mais dans le royaume ici. Mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Hein? Jésus, ayant appelé un petit enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on colle ma boko makasi. Applaudissez pour le Seigneur. Jésus, on lui pose la question, qui est le plus grand dans le royaume? Il dit non. Jésus ayant appelé un petit enfant. Amen. Amen. Moi, je me pose la question, ce petit enfant là, venait d'où? Le petit enfant, tout de suite, il l'appelle. Est-ce qu'il accompagnait partout? Parce qu'on peut me poser la question, mais dans un exemple, n'est-ce pas? Je cherche les petits enfants dans la monité. Mais comment expliquer? Tout de suite, on lui pose la question, tout de suite, et on appelle un petit enfant. Son nom n'est pas connu. Et on appelle un petit enfant. Ce petit enfant-là, c'est-à-dire où Jésus allait toujours, quand il disait, allez prêcher le royaume de Dieu. C'est que le royaume de Dieu, pour le prêcher, il fallait toujours être accompagné de ces petits enfants, parce que les gens doivent voir à qui ils doivent ressembler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je prêche le royaume, et que le royaume là, il faut entrer, maintenant je me dis, mais non, ce qu'on a dit, le petit enfant ici, assis à quoi? À Kota, il est déjà dedans. C'est comme si les petits enfants devraient servir en matière didactique. Yes. Parce que, n'est-ce pas, le centre de la mission de Jésus, c'était autour du royaume. Aller prêcher le royaume de Dieu. Alléluia.
C'était aller prêcher le royaume de Dieu. Dites, le royaume de Dieu est proche. Donc c'était même le nez, c'est-à-dire le nez du problème, c'est-à-dire la mission finale. C'était même le thème principal. Vous pouvez tout faire, être guéri, être béni, être ceci, mais vous devez, n'est-ce pas, hériter le royaume. Vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et comme c'était le centre du problème, c'était le sujet, le thème principal, le souci majeur de la mission de Jésus. Donc, ce n'est qu'évident qu'il fallait attendre la gananini. Na petit enfant, parce que lui, déjà, au moins un exemple, à Moutouassia Kota. Alléluia. Amen. Déjà, quelqu'un qui est dedans, alors il fallait chaque fois se retourner dans le royaume, dans la bouille. Alléluia. Amen. Maintenant, ayez appelé un petit enfant. Le plaça au milieu de... De quel âge, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Ce petit enfant, il était âgé de combien d'années? Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est un petit enfant? Quand est-ce qu'on peut dire que tu es un petit enfant? 2 ans? 4 ans? 8 ans? 12 ans? 20 ans? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on appelle un petit enfant... Le plaça au milieu d'eux. Et dit. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de vous expliquer. Vous voulez être grand dans le royaume. Vous voulez entrer dans le royaume. Comment on va vous expliquer cela? Non, l'explication passe par le petit enfant. Il prend le petit, il le met au milieu et dit, si vous ne vous convertissez. Et si vous ne devenez comme les petits enfants. Et si vous ne devenez comme des petits enfants. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cela veut dire que la porte du royaume est déjà bien mesurée par rapport à la taille de petits enfants. Mais si toi tu viens en tant que grand et lancer mon aîné au côté de la wapi. Parce que pour entrer, il faut comme ça. Il est placé au milieu. Cela veut dire qu'il fallait que Moutinho Sassani. Il fallait que tout le monde le voie. Tout le monde le constate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il le voie, qu'il le constate, qu'il certifie, qu'il se mesure par rapport à. Qu'il limite même le matériel didactique. Cet enfant, comment il sourit, comment il marche, comment il appréhende les choses, comment il regarde, comment il se comporte, son attitude. C'est comme ça. Si tu es ainsi, tu vas entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, était éternellement. Bon, Jésus est là. Vous aussi, vous avez besoin d'entrer dans le royaume. Vous avez besoin du royaume, des royaumes de Dieu. N'est-ce pas? Yes. Maintenant, comment vous devez savoir. Devrez-vous savoir que si vous entrerez ou vous n'entrerez pas. D'où, comme Jésus est le même. Et partout où Jésus est, le petit enfant doit s'y trouver. Donc le petit enfant est ici. Donc c'est une question aussi, peut-être, certains d'entre vous, et qu'aujourd'hui, comme Jésus est là, il veut vous montrer le petit enfant. Alléluia. Amen. Il veut vous montrer le petit enfant au milieu de vous pour que vous les ressemblez. Pour entrer dans le royaume. Parce que moi, on a dit le loisir. Vous n'avez pas été à Koufa. À Zakawana. Vous voyez déjà à Kota. Au sort que tu n'as rien, vous avez la vie éternelle. Bon côté. Vous avez la vie éternelle. Il est là. Alléluia. Amen. Continuez. C'est pourquoi, si vous ne ressemblez à ce petit enfant, vous n'y entrerez pas. C'est pourquoi. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Moi, je me dis, donc, ce petit enfant-là, il était tellement humble. Humble. Alléluia. Amen. Donc ce qui fait de lui petit, c'était l'humilité. Donc les caractéristiques de ces petits enfants-là, n'est-ce pas? Il est humble. Voilà la qualité qui avait impressionné. Hein? Qui avait émerveillé le Seigneur Jésus. Parce qu'il a trouvé que petit enfant, Nyonso, Azaganani, n'a humilité. Donc Azagana a 8 ans. Alléluia. Amen. Donc Azagana a 8 ans. Ah, on comprend que âge. L'âge de ce petit enfant était de 8 ans. Mais je vous dis, vous trouverez des petits enfants, ou bien des enfants, orgueilleux dans la société, n'est-ce pas? Des orgueilleux, des impolis. Baoudjana. Hein?
poli ba orgueillé. Mais azama na moke. Soki abandi ko finga wa olapi. Mutu makasi. Otombokele bo. Alléluia. Alléluia. Amen. Na mona musu na ba na nini boye na ba. Na ba toile. Ba on te réveillé. Abi yo nga za na ponga biao. Bison tout so makambo. Les aboyés, c'est-à-dire nga za universite. C'est-à-dire un chèque. Amen. Mais moi na mukia zo ba mi me mamba zo mi sozo banga. Oui petio yo so na kuta na ye donc nga ifu na bana mbango. Amen, amen. Amen. Quand je suis retourné au bon appel, au moins je suis comme un gangster. Je suis au silica. Je suis au barré. C'est-à-dire, petit enfant. Je suis au boité. C'est-à-dire, mais on dit, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant. Continue. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Alléluia. Amen. Ah. Et j'ai vu que non, ce petit enfant, c'est comme si il est égal à Jésus. Parce qu'il dit, celui qui le reçoit, d'abord, celui qui se rend humble comme ce petit enfant. En plus, celui qui le reçoit, ce petit, n'est-ce pas? Hein? À mon nom, il me reçoit. Alléluia. Amen. Donc, le problème est que parfois, ce qui n'a pas été sous, je dois savoir, na localiser moi, na wana. Je dois identifier ces petits enfants parce que quand je les reçois, alléluia, quand on reçoit Jésus, donc autrement dit, reçois les petits enfants. Amen. Parce que si tu les reçois, tu reçois aussi Jésus. Amen. Amen. Or, si je reçois Jésus, c'est pour être sauvé. Yes. Et si je reçois un petit enfant, moi, je suis un enfant ici, est-ce que nous a sauvé? Est-ce que nous a sauvé? Est-ce que nous a sauvé? Parce que la Bible dit qu'il n'a pas envoyé un petit enfant pour nous sauver. Il a envoyé sa parole et sa parole nous sauve. Donc la parole de Dieu, c'est qui nous sauve. En dehors de la parole, il n'y a pas de salut. Mais on dit non. Même les petits enfants là, alléluia, amen, si tu les reçois, tu reçois Jésus. Donc si tu reçois les petits enfants, donc tu reçois la parole. Parce que Jésus est la parole. Jésus est le salut. Jésus est la vie. Jésus est la lumière. Donc le fait oyambi moi na wana muke wana oyambi lumière. So oyambi oyambi bomoi. So oyambi oyambi vérité. So oyambi oyambi lobiko. Oyambi oyambi liloba. Donc dans ce petit il y a tout. Amen. Amen. Donc dans ce petit enfant il y a tout. Il y a la vie parce que Jésus est la vie. Il y a la lumière, Jésus est la lumière. Il y a la vérité, Jésus est la vérité. Il y a le salut parce que Jésus est le salut. Donc, dans ces petits enfants, je vois pourquoi il y a cette qualité-là de 8. C'est-à-dire l'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut tout là, le petit là. Pourquoi Jésus a beaucoup d'appréciation et même il fait de ses petits enfants comme référence. Pour na lobiko yayo, pour na lobiko na biso. Parce que nous devons connaître, il faut tout yébaye. Parce que ce que yébi été, azoya, olio yambaye, yo bakisye, zonando bakisye. Amen, amen. Alléluia. Lisez Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Le 40e verset. Celui qui vous reçoit me reçoit. Ah, amen. Amen. Celui qui vous reçoit me reçoit. Yoka. Mais il a dit là-bas ceci. Celui qui reçoit ce petit enfant à mon nom, c'est moi qui l'a reçu. Mais alors, celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est que il s'adresse aux petits enfants. Alléluia. C'est que Azolo Belande Bana Mike Wana. Parce qu'à l'obéi kuna, soko yambi moi na muke wana, o yambi denga. Mais awa l'obéi abandisko, celui qui vous reçoit me reçoit. C'est quoi? C'est que Jésus identifie les petits enfants na katia batuana. Na katia ba oya zolo belawana. Alléluia. Amen. Ou bien, ba ngope basali effort, n'est-ce pas? D'être égal aux petits enfants.
à ces petits, ils ont ressemblé finalement à ces petits enfants. Mm-hmm. C'est pour cela que quand tu ressembles directement, tu deviens Jésus. Et celui qui te reçoit, il reçoit automatiquement Jésus. Celui qui te rejette, il rejette automatiquement Jésus. Pourquoi? Parce que tu as fait un effort de ressembler à ces petits enfants. Parce que là-bas, on va tourner à qui? Qui est le plus grand parmi nous? Alléluia. Amen. Jésus a retiré tout simplement un petit enfant. Il les met au milieu. Il dit, ressemble à ce petit enfant. Celui qui le fera comme lui, il aura l'humilité comme lui, il sera comme lui. Là, il entrera. Alléluia. Amen. Et après, bah, décider qu'il sous sauté, bah, poser une question sous sauté. C'est comme quoi ils avaient compris. Amen. Amen. Et tout le monde maintenant, il a commencé à faire quoi? À s'exercer, à s'efforcer. N'est-ce pas? Pour ressembler donc à ces petits enfants. Amen. Amen. Parce que ce sont eux, tous les disciples qui étaient venus. Mais comme il y a un moment, maintenant Jésus constate que oui, ils ont bien assimilé la leçon, ils ont bien transcendé, ils ont évolué, ils ont progressé. Et finalement, je vois en eux le petit enfant. Amen. Amen. Je vois en eux, n'est-ce pas, la ressemblance de ce petit enfant. C'est ainsi que Jésus dira. Maintenant là, celui qui vous reçoit, me reçoit. Alléluia. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. 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 Maintenant, Kolo Maboko Makasi. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Là, il parle à qui? Il parle à Pierre. Il parle à Jean. Il parle à Jacques. Il parle à Simon. Il parle à Thaddée. Il parle à André. C'est-à-dire, si tu reçois seulement André, tu me reçois. Si tu reçois seulement Pierre, tu me reçois. Si tu reçois seulement Jacques, tu me reçois. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là maintenant qui sont devenus comme des petits enfants. Alléluia. Amen. Ah, je comprends, c'est que les petits enfants qui étaient avec Jésus, Jésus était venu avec eux depuis Nalola. Et que c'était la mission de faire que les gens du monde puissent se transformer et devenir comme des petits hein? Des petits enfants. Parce que bangonde bazana lola kuna. Bangonde bazana caractéristique, on a prototype ya batia lola. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tant on a lobaka wa ke bana mike ba gozala na biso. Bana mike ba gozale bele. Amen. Je parle des petits hein? Des petits enfants, les possesseurs, ceux qui possèdent le royaume, à qui nous devons ressembler. Amen. 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 Oui, continuez. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Recevra une récompense des prophètes. Il recevra la récompense des prophètes. Quelle est la récompense des prophètes? Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas avoir la récompense. Mais cette récompense est là, une récompense des prophètes. Le prophète récompense quoi? Naïbité. Regardez un peu bateau, yambara ba prophète, bazoani. Zo femme sinamite, azoani. Hein? Azoa moana. Veuve de Sarepta, azoani. Hein? Togé. Tu auras la récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Si tu reçois un juste dans sa qualité de juste, tu recevras aussi la récompense des justes. Quelle est donc la récompense des justes? Les justes sont comme des palmiers. Maintenant, si tu reçois un palmier aux Zouani, ce que l'on dit palmier, n'a pas mon aïe. Palmier, Ozoani. Hein? Ozoani, ni? Bilo et Bélé. Mafuta. Kombo. Masanga. Bapose. Eh! Mungwa. T'as la qualité à juste. Allons-y. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. À l'un de ses petits. Pas un verre d'eau tiède ou bien chaud. N'est-ce pas? Un verre d'eau froide. 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 À l'un de ses petits. Ah, alléluia.
C'est qu'il avait dit, celui qui vous reçoit, mais reçoit. Ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Yes. Bah, Pierre, Benja, Bagnonsou. Celui qui donnera seulement un seul d'eau. Un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits. Soit à Pierre, soit à Jean, soit à André. Parce, n'est-ce pas? Un seul d'eau froide. L'eau froide. Pas à moto. Vous pensez ma moto, à tiède, ma à malili. Ça veut dire, pas n'aille faux à la moi, place à malili. Moutabimi boe, zela. Moi, quand j'ai la tête, nini, frigo, bimi, c'est à malili. Mais si vous avez un frigo, mon petit akoya boe, aux humains, à bidon, au pessier, aux récompenses. Vous avez un moto. Est-ce que yoki? Bunda, lelo, zata, nama frigo, moukepo, on ne sait jamais. Voyez aux zanga, récompense pamba, pour que ça va maille à moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'un de ces petits, parce qu'il est mon. Parce qu'il est mon disciple. Mmh. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il ne perdra point sa récompense. Ah, il ne perdra point sa récompense. Parce que tu as donné un verre d'eau froide à l'un de ces petits. Parce que en lui, nous avons le 8. Et celui qui les reçoit, mais reçoit. C'est-à-dire la parole de Dieu est accompagnée là-bas. Non, comment on appelle ses œuvres? Parce que Jésus était accompagné de ses disciples. Donc Jésus était accompagné de ses disciples. C'est-à-dire là où se trouve Jésus, on devait apercevoir Pierre, Jean, Jacques, naba disciples nyon soana. Engoba le banzambe tango ezoya eyaka na makambo nango nyonso. Parce que le banzambe eyaka na délivrance. Le banzambe eyaka na bapamboli. Le banzambe eyaka na boyebi. Le banzambe eyaka na kondima. Alléluia. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on attend. C'est-à-dire, il y a un condiment. C'est-à-dire, condiment, ma pamboli, délivrance, nguya, nyonsoana, alléluia. Esengo, consolation, ezali, parmi banamike. C'est-à-dire, ce sont les petits enfants. Oh, bazo accompagner l'iloba. Amen. Amen. Or, ce que vous devez faire, est que ce qui l'obézoya, zoa pesa kata moana mukiwana moa vere amai. C'est-à-dire, akit sa motema. Parce que moutou agrisi motema, akofanda. Atambola qui? Batambola tellement ma colonna Jésus. Si vous montez mes ailes, le colo, si vous pèsez moi ma verre à mouke, banamoko mona moutameli, à sali, on dirait à combien de place naïe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, il y a un dingue zobi ma boye, toutes les fois que, oh, mikitisi, et que tu le mets en pratique, c'est comme quoi tu donnes un verre d'eau froide à l'un de ces petits. À zui place naïe, ou sani. Yagofanda. Tomoi na kati na yoke, toko remarke ke mwana muke moko azakuna. Amen, amen. Amen. Mais Jésus dit ceci. Continue. Combien? Ah. Bon, maintenant je me dis, bana mike wana pona nini Yesu azalagi ko lenge la bango. Pourquoi il insistait tellement ces enfants là? Pourquoi Azaï Komona que Okuko Pesae ma bete, Oko Sale ma bete? Parce qu'il a dit aussi que ceux qui ont scandalisé moi na Mukewana, c'est un problème à casse. Alléluia. Ozan a problème nini? Ma casse. Pardon? 18, oui. Qu'est-ce qu'on a dit? 18? Hein? Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendait à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Ce que n'a pas dangereux. Moi, c'est trop dangereux. C'est-à-dire, si on y est, l'inga y est, fin de sa y est, il ne pas ça. Mais ce qu'on vexé, on scandalisé, je te dis, colère et ensemble, vous allez colonner, vous allez colonner. Vaut mieux lis-moi. Alléluia. Lis-moi, vous allez colonner, vous allez colonner, vous allez colonner, vous allez colonner, vous allez colonner. Pour que la colère ne t'atteigne pas, c'est seulement qu'il faut que vous allez banga. Lukande libanga, tu as pu na qui? Na kingo. Tiens, na kingo, zinda na mai. Wana do ki minzambe. Mais ceux qui ont un bata dans la chambre, qui m'a dit bon côté, qui m'a dit que kaka, kozwa libanga, omitie na kingo, comme ça il peut se poids, ozinda, benawa, pinasiama,
Wanande okimikanda ya nzambe. C'est comme aussi Jonas. Ndenga kimakanda ya nzambe. Kwa kimakanda ya nzambe. Alléluia. Il fallait que nous appuyions na main. Na main. Ya kimaki na kati ya kati ya bato ba kale o boy na boy okimate. Mais ko kima ya solo, alléluia. Ezaika ka ko tapi na main. Po soko zindi kuna na main. Nzamba osala ngolu na ndeni. Mwa mbisi moko wa munene osani. Awo yako melayo. Sera meli yo a bombi okuna pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Sera bombi au moins 3 jours quand dans Nzambe osani. Et ko diminuer parce que kuna okomona Jonas na kati ya libumwana azali ko senga nini? Repentance. Nzambe pa yo ke liye albi kende. Alléluia. Pourquoi? Parce que akenaki na siamai. Ndesika bakime na Nzambe. Osali ba dega ba désordre. Alléluia. Eh bwana boye ko kende nini ko pata pata te ona kende bwana boye na kende police bwe na chama. No. Ki maga ka pina ma? Na mai. E pina mai ko pozi nda pesa bi ezwa li banga yambaloyo. Yambaloyo il faut une grosse pierre. Alléluia. Amen. Eh. Tozolo ba na mai. Il faut ki ma pina ma? Si mai yangoyo. C'est là l'eau. Et mayo tango zo kimela o yambaloyo ko kimela boye likolo de nage na jeté. So za na ba problème na Nzambe. Zo ali banga. Miti ali banga. Alléluia. Cela veut dire yo moko sengali skoyo o miti la nini? Mobeko. Condition. Mobeko ana skoyo o sali o bi nga yambaloyo vraiment yambaloyo na ko na kima su église té. Yambaloyo vraiment no sa su bodo libanga wana mobeko ana za na mutu. Comme ça, yango yo sala ke ezi ndi sakayo pinama. E pusaka yo kota tsusu na profondeur ya nani ya liloba. E se de la Nzambe akwanile. Akwanile ko kanda na ye, akwanile onyonso nga ke sama ya mabe. Alléluia. Nde modèle ba kimela na Nzambe. Zalanga na se ama yona. So Nzambe mona se ama ya tiki na ye kande kande diminuer. Mais omona ba tsusu sala ba makambo ba dega akimeli oli akimela na mai. Il préfère rester à la maison. Oh non, na fin nda kumikolo po, ça va pas. Est-ce que wana zokima? Okozwa ba frappe au sanganate. Entre dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as scandalisé un des petits. Lobanzambe zoya bana miki wana bazali. Bolingoye o scandalisé. Alléluia. Alléluia. O scandalisé bolingo. Disciple oya ye mususu oyo o ezolu ka boye biye o scandalisé. C'est-à-dire tu scandalises au comme sujet à scandale et que même les gens pour te montrer que tu es scandalisé aux goûts de ba kaso ba nayo pe. Cela veut dire que tu as scandalisé les petits enfants nani mokonzi parce que les gens te regardent ba somona ka bana miki wana na kati na yo so ba tali ba moni déjà bonzambe na kati na yo. Mais quand toutes les fausses sont scandalisées, Nabatou va s'exclamer. Yo pe. Alléluia. C'est que comme tu as scandalisé ainsi, et tu as le choix moko. Yambaloyo, le kota libanga. Misale la moi condition. Alléluia. Misale la moi recommandation. Moi, c'est le moi libanga moko boeke nga Nzambe. En tout cas, ce qui n'est vraiment Yambaloyo. Donc, tu as libanga na mutu. Amen. Comme ça, les bangs ont été tindés à Yopi, au côté de Pinama, Nama. Alléluia. Amen, amen. Amen. Zoa Luc. Luc 10. Banane, le premier verset. Luc chapitre 10, le premier verset. En tête, mission de 70 disciples, reproche aux villes impénitentes. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il désigne 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Okay. Il leur dit, la moisson est grande. Regarde, la moisson est tellement grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson était grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc. Le loto kolo bandengwa na te. La moisson est comme petit, il y a maintenant plein d'ouvriers. Oh les gars, prière.
okotawa prier oba lukana sima prier eza olukate ezolanda yo on sisi akatie oké na musale landi na biro oké place oteka musu se bandi yeso azalia dadi il y a plein d'ouvriers. Amen. Amen. Oui. Prie, priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ah. Partez. Partez. Voici. Voici. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse. Hey, alléluia. Amen. Comme je vous envoie là, ne portez ni bourse. Ça dit qu'on est en bongo. T'es. Ni sac. Ne portez ni bourse. Ni sac. Ne portez ni sac. Ni souliers. Na sapato kutu kola tate. Alléluia. Amen. C'est qu'on reconnaît les petits enfants dans le modèle 1. Parce qu'on sait là, il a dit, n'est-ce pas? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Quand je vous envoie, si quelqu'un vous reçoit, donc il me reçoit. Et n'engabo kende boye. Bino bana miketo kwa ebe la bino boye. Alléluia. Amen. Tu te prenant devant moi na évangélisation na côté pour na ibakosa moi na muke pour na yeba ko recevoir rio pour que naza la sûr que na recevoir aussi récompense ya koyamba yo il faut natala ba caractéristique wana natala d'abord na fuyé yo sokoza na mbongote. Alléluia. Amen. Na fuyé yo na mono za na mbongote na bi OK am boursete de natali sac eza pété na bi c'est bon déjà faut natala pe makolo na moni sapato eza té na bi bana miki bango bangoyo tellement baza yu humble baza na humilité moko boye et cette humilité leur exige que azana mbongote ame masakte po epese mapeka azana pe makolungulu tale humilité. Alléluia. Amen. Azana pe makolungulu nde condition pesa yu bango bo mema yango te mais aujourd'hui to bona batazo na basak sa pato bien ciré. Amen. Mbongo na ezali oligo fute transport nga mo na zambongo nanga déjà na ko panique yote. Amen, amen. Amen. Non ba monsieur qui t'a envoyé. Donc c'est pas Jésus qui t'avait envoyé parce que Jésus ne donne jamais l'argent à ceux qui l'envoient. Après ça bangou tout ça pas toyo tout ça pas tout ça makolu. Faut makolungulu. Amen, amen. Et ne saluez personne en chemin. Eh bango bazaka boye bana wana mike wana ba pesa ka mbote té. Ba impoli. Il ne salue personne en chemin. En chemin. Oui, ok. Dans quelques maisons que vous entriez. Dans quelques maisons que vous entriez. Dites d'abord. Que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Amen. Ça dit, bana mi keso ki bazoya, bakoti nandako, balobaka kimi kota nandako. Ndenge na zolo bawa, alléluia. Amen. Balobi bana mi ke, bayaka na Yesu na liloba. Ndenge na zote aboye, bana mi ke bazo accompagner liloba oyo. Ndenge zoya uzoya kayango, soki bakoti nandako na yo. Et l'on a l'ibosso va pesa kezakaki? Kimia. Ils mettent la paix. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que Natonga l'élo kimia pe kota nanda konayo. Parce qu'ils amènent la paix. Tellement ils sont humbles, ils sont porteurs de la paix. La première des choses, c'est mettre la paix, établir la paix. Ata poisse malade zalaki. Ata likamore zako zang sa kimia. Problème songolo. En écoutant seulement cette parole, Natonga l'élo, je sais que banamike bazawa. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà la recommandation qu'on change à côté. Partout vous entrerez dans n'importe quelle maison que vous entrerez, vous direz d'abord que la paix soit dans cette maison. C'est-à-dire, ne demande pas qu'est-ce qui ne veut pas ici. Ne cherche pas à connaître les problèmes là-bas. Ta présence seulement, dites seulement que la paix soit dans la maison. Parce que nous savons que dans chaque maison, il ne manque pas de problèmes. Amen. Amen. C'est comme si dans chaque maison, il y a toujours des problèmes. Mais toi, ta présence donne la paix. Ta présence influe la paix. Ta présence injecte la paix. Donc le bas, elle est l'eau. Alléluia. Amen. Avec les petits enfants, qu'ils procurent la paix. Yamutunyon soit Zaliawa. Quel que soit le Kambonayo, Kimeko et Kota. Amen. Amen. Mm. Et s'il se trouve là un enfant de paix. Ah, est-ce qu'il y a un enfant de paix ici? Parce que la paix vient vers celui qui a la paix. Un enfant de paix. S'il se trouve là vers un enfant de paix. Votre paix reposera sur lui. Ah, nalingina mona un enfant de paix ici. Parce qu'on donne la paix, mais pour que la paix repose. Pour que fande zoamisisa, il faut pas écouter moninga naye.
Alléluia. Amen. Il faut pas écouter moninga na pour reposer. Parce que écouter moninga te ego sanini. Ça va s'envoler et kokende parce que tout moi na ya pet. Alléluia. Donc moninga na ye. Moninga na ye pa sa kuna. Bazaka moi mwana muki wana zoya mais moninga na ye za déjà na kati andako wana. Amen. Donc vous devez quelqu'un qui trouve du plaisir à la parole de Dieu. Tu te demandes ndene na sepela lo bazambo na kupela te. Teza yote. Eza moi mwana ya pe za kuna. Amen, amen. Amen. Tu trouves du plaisir à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Un enfant de paix disposé, que la paix reposera sur cette maison. Et ratagate, nzambe pe alobi, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc que la paix repose ce matin et pas naïo. Amen. Et reposé, qu'on représente, et fanda, et zoabeda repos. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que la paix repose dans cette maison. Gloire à Jésus. Que la paix repose en toi. Parce que moi bon que malade des côté de tout ça problème que ça connaît telemi les camoko boye non prendre tes problèmes sur dans sala n'habiter dossier en sous quand nini et on dit aujourd'hui comme Jésus est venu il a envoyé des athées. Alléluia. Amen. Le des athées ils ont besoin d'un ami balé ou ils ont tinda tant que ceux sont sur la connaissance sagesse intelligence zoya yeba que bana mi kepe bazo accompagner. Et si comme toi tu es un enfant de paix parce que tu cherches la paix, que la paix repose dans cette maison. Amen. Amen. Mm. Demeurez dans cette maison-là. Demeure, alléluia. Vous voyez, c'est que Oyatinda qui débanamike. Et quand ils viennent là-bas et qu'ils trouvent que tu y a un enfant de paix, bako boya kolongwa, bako tinga mananda koana. C'est-à-dire Pierre a kotinga makuna, Jean tinga mikuna bango de swafandi. Parce qu'il a dit Barthélemy. Il a dit, Thaddée, la joie, alléluia. Amen. Alléluia. Siméon, la paix, c'est-à-dire, que la joie demeure. Que la joie reste, alléluia. Amen. Que la connaissance reste, amen. Amen. Que la foi reste. Que la bénédiction reste. Et que la victoire, bokasi anzambe tikala. Amen, amen. Amen. Demeurez, et ça injection de Jésus aux petits enfants. Demeurez là-bas. Demeurez là-bas. La condition simple pour avoir, il y a qu'on retenir bango. Qu'on retenir et tawana. Et ça, c'est qui meza. Et ça, c'est qui meza. Mais là où il n'y a pas de paix, bango pe, on dirait qu'on est dans bango. Ils sont allergiques. Alléluia. Imaginez, vous recevez des étrangers dans votre maison et. Bon, yambi bango, na butuka alelo, moi sina mobali, papa na mama bobandi bitumba. Hein? Bon, yambi mopaya. Aye po afanda na bino na ye na sata mo 3 jours, une semaine, na oleka. Oh, merci beaucoup. Mais bino nyonso bobandi ka wana, na miso na ye wana, na bobandi bitumba. Pupu, ye mo akung mukabola. Lobi susu bitumba. Mais mopaya na olobani, na mo nondire balingi ngate. Et on dirait, bah, au bout de la dengue, mais vas-y, le bâté. Faut ça, oui, y'a qui n'est pas ni, 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 c'est inné, c'est automatique, ça va indisposer l'autre. Maintenant, mon payaye, bana mike, alléluia. Amen. La grâce yé, ban joana baye, le lona tongo. Il faut que bakuta kuna papa na mama va sa kimia nandaku. Hein? Maena makarise sa kimia, alléluia. C'est ainsi que bakozo benda place à refanda. Même aya ki pona une semaine, awa ah, place à bébé, na sa sou une semaine msusu. Na ou mela lisusu mke, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mm. Mangeons et buvons ce qu'on vous donnera. Ah, quand vous entrez dans cette maison là, dites que la paix soit là-bas et demeurez là-bas. Demeurez là-bas. Et quand vous demeurez là-bas, mangeons et buvons tout ce qu'on vous donnera. C'est-à-dire nanda ko ana bino bana mike bo yate. Tout ce qu'on vous donnera nanda ko ana nde bokolia. Bolia biloko ali bandate. Bolia biloko ya kwente o ngai na mesana nani na mbizote omoninga na uti bakote o bambizo to mesana ngo bafumbwa tout et tout ngai bosa la ngai na bosombela ngali bada non et je suis aboyé vous quand vous entrez dans la maison là tout ce qui est là-bas tout ce qu'on vous donnera c'est ce que vous allez prendre donc oh non lotoko soki kuna na ndako na kutaki lotoko amen ba pesi unyo romela
C'est-à-dire que mission. Amen. Amen. Mission. C'est comme quoi? Baye pote, biloko nyon se zaki nanda kouana, il faut balia pour nanin. Parce qu'il fallait, yangonde za ou sa la kekime za la te. Jésus a dit ceci. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre, j'entre chez lui, je mangerai avec lui et je souperai avec lui. N'est-ce pas? C'est que, baye kakaka ke, nakati nanda kouana, biloko moussou se zali. Mais bango bazo ya mission in, il faut balia. Ndenga bazo lia wana, nde basa la moussa la kosi sa biloko wana. Ce qui est le toko, le toko est le toko. Le toko est le toko. De telle manière que le toko est là. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça. Mangez et vivez tout ce qu'il vous donnera. Oui. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ah, c'est que ça lui fout dans le bango. Mais au moment où on a mis les baye, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'est que ça lui fout dans le bango. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et ça salaire na yo. Pour bango, c'est que bana mikio na baliaka nyonso. Parce que okoyebelo okuta te, soki kuna baliaka baliaka mbwa. Okoti na ndako, okuti nde mbwa nde. C'est cool. Yo discuter. Barbie manger et buvez tout ce qu'on vous. Kotaka na mbwa. Guti kuna zande nyao. Liaga bongo. Amen. C'est que elle mange tout. Donc remets l'obi, n'est-ce pas? Ne faites pas exception des personnes. Ne jugez pas les opinions. Il y a un autre qui mange de tout, n'est-ce pas? Et ceux qui sont faibles dans la foi ne mangent que des légumes. Ce qui fait que les petits enfants là, ça se voit que ce sont des gens très forts dans la foi. Ils sont tellement forts dans la foi, ils boivent tout, ils mangent tout. À quoi ta place en bois lié? A kota wa baliaka baliaka babisi li ali. A wande baliaka bambembe. Alié. A koti koto ezande ba torti koba alié nai. Donc a ki baganaï bloa kolia te po aza pre a kolia nyo nyons. Mais bino boliaka nyons sote. Omo ninga na ote a boye komo na komo. Namo no komo neti ko neglige. Ozu niringa na zoya po na zolo kaso ke lo komo na katida. Nga linga ba fere a bongo te. Oh, yo za petit enfant de. Au bout de quoi, Lia va fier na yewana Lia yango. Nyon so yo rokuta Lia. Ata apesyo masanga makasi. Hein? Apesyo mela masanga makasi. Mela kaka. Bo yo yaka nyon. Nyon so. Oza petit enfant. Oza 8. Alléluia. Ça dit koli eza kondima. Ça dit ozon dima nyon. Nyon so yo rokuta. Avec humilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tous les babilons comme nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont n'est-ce pas? C'est que makambo, tu vas tondre à Kayango. C'est-à-dire ton esprit se nourrit des difficultés, des problèmes de makambo. Ils ont été en train de se cela veut dire assez attendi. Biloko est tondi. Mais biloko ana et sali que paix à kunate. Parce que ce sont les petits enfants qui amènent la paix. Les autres la quelque paix aux alaté. Voilà pourquoi basoya pour que basili sa biloko ana. Amen. Bali anyon soya wako pesa. C'est-à-dire talanga boy na boy. Nzana problème boy na dini boy. Biloko anyon soana. Vous mangerez tout et demeurez là-bas. Amen. C'est-à-dire que vous avez un collier à Nyonso. C'est-à-dire que vous apportez une solution à ma camonini et à ma camonionso. Voilà pourquoi nous parlons des petits enfants. Olelo. Parce que ce sont ces petits-là qui sont plus grands que Jean. Parce que bango y a une kimia. Bango y a un sacre qui est là pour que vous na kati na ye. Et les petits enfants vous fait que vous puissiez entrer dans le repos dans le royaume de Dieu. Suite à une loba. Donc, loba nzambe nenge te amaraboye. Yeba ke yaka yango mokote. Mais yaka na bana wana mike. Ils sont accompagnés, n'est-ce pas? Et quand tu es un enfant de paix, cette parole entre. Yeba ke ezo yapona kopesa kimia.
Et pour être sakima, il faut ici sana no makambonyo sekuti kuna. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on néglige ka ata mwana muke mon côté. Ne scandalisez pas parce que quand il arrive, yeba ki aye pona yo. Peut-être aujourd'hui c'est pour toi. Mais qu'on scandalise te yamba ye, pesaye esprit à paix et que tu verras gloire ya ko sana kati na yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh na yebi ke mutu moko ya kimi azali awa. Na yebi ke mutu moko ayambi bana miki azali awa. Et na lingi bana miki ba kota lelo epa na yo. Et que ceux qui n'ont pas de côté, qui ont un côté, qui ont un côté, qui ont un et reposer sur toi, que la paix repose sur toi. Et qu'est-ce qui se charge de terminer tout ce qui te dérange, tout ce qui te met dans des situations, n'est-ce pas? Il y a compliqué de telle manière que qu'il demeure avec toi et que la grâce demeure avec toi. Et que tu le ressembles donc à ces petits, vous tous vous dites, vous puissiez être dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans les promesses, dans l'accomplissement de Bilakaya Nzambe. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.